Salut, c'est MegaDriver16. Nous voici pour la suite de mon tour, de mon Pro Team avec la MegaDriver Cycling Team dans cette saison 2 où nous nous sommes qualifiés pour le Dauphiné grâce à la 7ème place de José Herrada au Critérium International sur ma vidéo précédente. Donc sur cette saison 2, on a débloqué ce Dauphiné. Un petit tour pour voir les 8 étapes. D'abord le prologue de 2 km à Nevers. Ensuite une étape de plat vers Saint-Amand-Montrond. L'étape pour puncher de Lyon. Ah, je me rappelle bien de celle-là sur le 2013, le Tour de France 2013. L'arrivée est très sympa. Semnoz, l'étape de montagne, la grosse étape de montagne. Je pense d'ailleurs qu'on ira jusque-là sur cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on fera la deuxième moitié de ce Dauphiné avec l'arrivée à Gap, en Vallon, Marseille pour la 6ème étape, Istres pour la 7ème étape et du Vannonais pour finir entre Montpellier et Théier. On va tout de suite lancer donc cette première étape, le prologue de ce Dauphiné. Et je vais donc faire ce prologue avec mon leader José Herrada, qui a pour objectif de finir en dessous de 3,40. Il a 72 ans prologue. On va voir si c'est faisable. On accueille maintenant le dernier coureur au départ de ce contre-la-montre individuel. Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps. Allez, on l'encourage. Donc un prologue très très court, hein, 2 km, on va pas le voir passer. À voir comment on gère notre effort. Allez, on lance dès le début. Attention au virage, bien évidemment. On est un petit peu en retard là sur la barre bleue, dommage. J'aurais peut-être pas dû accélérer dès le début. Là, il m'a demandé de relancer après le virage. Ouais, va falloir voir. Hein. Aïe, j'ai un petit peu raclé. Allez, on se permet donc de relancer un petit peu. Et il nous reste plus qu'un kilomètre déjà. Par contre, ça grimpe là, ça grimpe. La barre bleue est mieux positionnée maintenant, donc on peut peut-être se permettre d'accélérer et de finir effectivement sous les 3,40, puisque je crois qu'on en finit avec 3,38. Avec une victoire de Dumoulin devant Juan Dennis et Luis Leon Sanchez. Tiens, Chavanel qui faisait partie des favoris. Il n'est même pas dans le top 10 finalement. Voilà, il est 12e. Et nous alors, Valois qui prend la 30e place à 10 secondes et Herrada à 12. Le classement général, c'est bien celui-là. Et effectivement, on a terminé en dessous des 3,40. Donc, un petit bonus de récup pour mon leader, José Herrada. Mais 0 euros là pour le coup. Tant pis, c'est pas grave. On va pouvoir se retrouver sur l'étape de Saint-Amand-de-Montrond, étape de plaine où c'est maintenant Marc Sarro, ma recrue cette saison de l'équipe FDJ, là, en provenance de l'équipe FDJ, qui va devoir se montrer avec peut-être Kourov aussi pour la combativité. Et donc sur cette première étape en ligne de ce Dauphiné vers Saint-Amand-de-Montrond, ça m'embête un petit peu, on a encore l'objectif avec Marnier de finir dans les 25 premiers, alors que c'est bien avec ma nouvelle recrue du sprint, Marc Sarro, que je veux faire un bon résultat dans le final. En plus, il a une flèche de forme orientée vers le haut, donc c'est du tout bon. Tiens, Herrada est pas très en forme. Bon, c'est sur une étape de plaine, pas trop grave. Et on n'a pas d'autre objectif, donc je pense que c'est bien avec... avec Kourov hein, que je vais tenter. Oui, c'est avec Kourov que je vais tenter la combativité sur ce Dauphiné. Allez, on lance tout de suite. Alors, j'ai pas trop envie de me faire avoir comme la dernière fois sur l'étape, la première étape du Critérium International. Donc, je vais prendre un gel citron au cas où je manque de bleu avec Sarro dans le final. On va voir ça. On s'élance d'abord sur la ligne de départ et Kourov va essayer de prendre la bonne échappée du jour. Bonjour à tous, l'étape proposée aujourd'hui devrait nous offrir un scénario des plus classiques. Une échappée matinale qui devrait tenter par tous les moyens de résister au retour des équipes de sprinteurs.
Allez, on a réussi à se positionner à l'avant. On lance tout de suite une attaque avec Kourov. Attention à ce virage qui était délicat. Un autre qui l'est pas moins. Et on relance. Il y a déjà presque 30 secondes. C'est pas mal. Par contre, j'ai un contre-attaquant derrière. Bon, c'est normal. Hein. Deux maintenant. Mais le peloton quand même qui laisse partir, on dirait. On va bientôt franchir la minute d'avance. Ce serait bien ça. Ce serait très bien. Ça l'a bien parti. T'as passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. Et bien, je vous propose de vous retrouver plus loin dans l'étape. Et au niveau du sprint intermédiaire, ce n'est plus avec Kourov qu'on est dans l'échappée du jour, mais plutôt avec Valois. Puisque finalement le peloton est revenu sur l'échappée de Kourov. J'ai essayé de partir ensuite avec Lango, mais ça n'a pas réussi. Et finalement c'est avec Valois que j'ai réussi à m'extirper du peloton. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Je vous parle, et je ne vois pas qu'ils ont déclenché le sprint. D'un autre côté, Valois n'est pas réputé non plus pour ses capacités au sprint, donc peut-être que j'aurais pas fait mieux de toute façon. C'est trop tard pour que je prenne la main avec Marc Sarro. Donc on va prendre le ravitaillement avec Valois. On va faire prendre le ravitaillement de fraîcheur, de fatigue à toute l'équipe. Et on va se retrouver dans le final de cette deuxième étape du Dauphiné. À 10 km, Marc Sarro à l'avant du peloton. L'échappé qui vit ses... donc il n'y est plus d'ailleurs, qu'il n'existe plus, que dis-je. On va demander à tout le monde de prendre son ravitaillement quand même pour qu'il n'y ait pas de décramponné à l'arrière. En particulier José Herrada, bien évidemment. J'ai demandé normalement à Marnier de venir me protéger. Et ben voilà, il est là, parfait. Nous, on a encore un peu de ravitaillement bleu à utiliser, donc on va être dans de bonnes dispositions. Il faut savoir que en sprinter sur ce Dauphiné, j'ai vu que les favoris étaient Bouhanni, sprinter or, Arnaud Démare, sprinter argent, Tom Boonen, sprinter bronze. Du beau monde hein, quand même, donc on est à 5 km de l'arrivée, je suis peut-être un petit peu trop devant là quand même. 5 km de l'arrivée, c'est le moment de prendre son ravitaillement de bleu, tout en étant vigilant et ne perdant pas trop de place. Aïe aïe aïe, qui c'est là de Etix qui ralentit complètement, qui coupe complètement son effort. Le ravitaillement qui fait son effet, on est un petit peu trop loin peut-être là. Allez, on essaye de venir se replacer, mais ça accélère à fond devant. Hein. Encore embêté par des Etix. Sera jugé au terme d'une ligne droite longue d'un kilomètre. Dumoulin, le maillot jaune qui est bien là, bien présent. On voit pour la FDJ. Théo Boss qui est bien là, c'est la flamme rouge. Allez, allez Marc. Oh là 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 là, j'ai bien cru qu'on allait pouvoir s'imposer, mais on prend une troisième place, il me semble. En effet, c'est bien une troisième place qu'on a pris avec Sarro, qui s'est bien rattrapé hein, quand même de sa petite désillusion au Critérium International, puisque là il finit derrière Coquard, Bouhanni, Sarro, trois Français aux trois premières places, c'est beau. Et on est devant Théo Boss, Arnaud Démare quand même, Viviani, Boonen. Donc c'est pas une victoire, j'y ai cru pendant une fraction de seconde, mais on a bien vu qu'ils sont repassés, la Coquard et Bouhanni, dans le tout dernier mètre. Mais c'est quand même un très bon résultat. Donc, on a dû, je sais pas quoi au niveau des objectifs. Oui, j'ai pas vu combien il avait fini Marnier, mais il réussit quand même à prendre une place parmi les 25 premiers.
On va pouvoir comme ça engranger un petit peu d'argent, même plutôt pas mal, hein, 39 200 pour cette deuxième place, ça c'est bien. La combativité avec Valois, on est quatrième, ouais. Et donc, on va pouvoir se retrouver sur l'étape pour Puncher de Lyon. Et sur cette troisième étape du Dauphiné, on me propose de prendre l'échappée du jour avec José Herrada, mon leader donc. Je suis un peu perplexe, hein, je ne sais pas si je dois le faire. Prendre l'échappée avec Valois, déjà, ça je le sens mieux. Marquer au moins 19 points au classement par point avec Marc Sarraud, ça j'y crois pas trop. À part s'il partait en échappée, mais là, non, je vais plutôt privilégier Valois. Qui en plus a une flèche intéressante. Ouais. Allez, Valois qui va tenter l'échappée du jour. Toujours dans l'optique de ce classement combativité. En plus, on est pas mal placé là. Mesdames, messieurs, bonjour. C'est une étape. Eh bien, on va pouvoir commencer tout de suite. Le final n'étant pas vraiment favorable au sprinter. Il m'a demandé de relayer, mais je fais même plus que relayer. D'ailleurs, que celui qui passera seul en tête. Ouh, on a du mal à s'échapper. Hein. Faut dire que. Des chances réelles de s'imposer. Il y a quand même 3,7% de côte là. Ah oui, on s'est un peu détruit là hein, sur cette attaque. À l'arrière cette fois-ci. Edmiger, qui. Tente de si revenir. On rentre un peu trop tard sur le maillot vert, ça serait bien de tenter une échappée pour marquer un maximum de points. Eh bien oui, c'est ce qu'on fait. Mais pas vraiment dans l'optique du maillot vert. Le peloton qui ne nous laisse pas vraiment partir, là, Edmiger qui va me rattraper, cependant, l'écart avec le peloton qui revient. Il revient. Il n'a pas l'air décidé à nous laisser partir. Quoique. Ah, l'écart qui augmente. J'ai failli couper mon effort hein, au cas où. Mais l'écart qui remonte. Edmiger qui va pouvoir me rattraper. Allez, allez, viens me relayer, ce serait sympa. Ah, il y a Boom, Boom qui se lance. Drucker aussi, oh là là. Si ça trop gros, ça fera une échappée trop importante. Le peloton préfère rouler pour reprendre du monde. Ne laisse surtout pas le contre revenir. Eh ben Edmiger là. Ce serait temps de passer un petit relais, vas-y, je t'en prie. Voilà, il est devant, il roule pas mal, mais pas assez vite à mon goût quand même. Hein. Allez, ouais, parce que le peloton, il est plus qu'à 43. Est-ce qu'il va laisser partir la Boom et Drucker? Peut-être bien, l'écart qui remonte un petit peu. On va peut-être passer la minute. Je vous propose de vous retrouver plus loin. Bientôt le sprint intermédiaire avec Valois dans l'échappée qui a bien pris. On a quasiment 3 minutes d'avance même si là, ça réduit bien évidemment puisque le peloton prépare le sprint intermédiaire. Donc on est bien avec Drucker et Boom qui ont rejoint Valois et Edmiger. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Ça commence à s'agiter pour le sprint intermédiaire. Allez, essayons de prendre la roue de Boom. La roue de Boom, est-ce qu'il va craquer dans le final? Oh oui, 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 on va pouvoir prendre cette jugée, la première place de ce sprint intermédiaire. C'est toujours sympa. Ça fait un petit peu d'argent, je pense. En plus, même c'est sûr. Même si c'est pas grand-chose. Et des points. Donc, sur ce, là, je vais pas trop filmer sur les petits cols de catégorie 3. Ça va être le final qui va être très intéressant. Avec l'arrivée pour Puncher à Lyon, où je compte beaucoup sur José Herrada. On va leur faire prendre à tous le ravitaillement de fatigue et on va se retrouver plus loin. Et nous voici dans le final, les rues de Lyon. Il n'y a plus d'échappée. Un peloton de 173 coureurs, José Herrada. Pas mal positionné pour le moment, mais par contre, on doit faire des efforts avec. Le grand braquet pour rester en tête et donc ça nous a quand même bien détruit la barre bleue. Voici l'avant-dernière difficulté de la journée, la côte de la Croix-Rousse. La sélection peut maintenant commencer. La côte de la Croix-Rousse. Que de souvenirs avec le Tour de France 2013. Le maillot jaune a été mis en danger, mais il est deux. Il y en a qui parle, j'ai l'impression sur la gauche, j'arrive pas bien à voir qui c'est. Il essaye de sortir. C'est Gerrans. Et oui, c'est Gerrans bien évidemment. Profil vraiment pour lui cette arrivée.
Galopin qui devrait aussi très bien figurer. Ah non, faut pas que je me fasse bloquer par Riblon là. Riblon, c'est pas son terrain de jeu ici. Attention, la descente est courte et technique. Allez, on essaye de se replacer un petit peu parce qu'il va y avoir de la descente là sur laquelle on va pouvoir récupérer un petit peu. Allez, José Herrada. Récup et on prend le ravitaillement. Non, il n'a pas pris en compte. Allez, on est bien positionné là. On est pas mal, on est 8e. Ah oui, il y a des coureurs devant, j'avais pas vu. Il y a Guérin et Bardet, oui, ils vont se disputer la victoire a priori. Hein. Ils sont très bien partis. Attention, dernière ascension. Dans très peu de temps. Allez, on peut accélérer, par contre les trajectoires sont pas optimisées de mon côté. José Rada qui en puncher. Attention, j'ai quasiment plus de rouge. On est quatrième pour le moment. Alaphilippe, très bon coureur aussi, avec des bonnes notes là. Ils ont eu le temps de lui mettre les bonnes notes qu'il fallait juste après ses belles performances dans les classiques. On n'a plus grand chose, vivement la descente parce que là on est cuit. Allez, on est derrière Thomas Vauclair. C'est la flamme rouge. La flamme rouge, on est derrière Tom Dumoulin. On va lui passer devant. Oui. On fait un résultat honnête, j'aurais bien aimé être plus à l'avant encore, mais bon, Herrada n'est pas un pur puncher non plus. La belle victoire de Romain Bardet sur cette étape de Lyon, devant Guérin's et Alaphilippe, une belle troisième place aussi. Et avec Herrada quand même si c'est pas un pur puncher, on a pris la 10e place, je suis content. Par contre, on a pris du temps quand même, hein. On s'est pris 48 secondes dans la vue. Est-ce que derrière, il y a aussi eu des écarts? 48, on est pas mal à 48. Ouais, il y en a qui sont à une 13, voire au-delà après. Bon, très bien. Je regarde vite fait la combativité avec Valois. Ouais, on est pas mal aussi. On va regarder au niveau du général ce que ça donne. Le classement général, donc, Guérin's devant Bardet pour le coup. Herrada 10e à 55 secondes, c'est pas mal. Le maillot vert en Avalois qui est pas mal positionné. Mais surtout, voilà, c'est ça qui m'intéressait. Valois premier de la combativité pour le moment. Parfait. Qu'est-ce qu'on a rempli comme objectif? Eh bien, Valois, prendre l'échappée du jour. Et avec Herrada, on devait prendre l'échappée du jour. Oui, non, ça c'était définitivement, je ne voulais pas le faire. Eh bien, on va se retrouver sur l'étape de montagne, l'étape reine de ce Dauphiné, à savoir Semnoz. L'étape reine à Semnoz, étape reine donc de ce Dauphiné, avec un objectif pour José Herrada, finir dans les 25 premiers. Et bien effectivement, c'est effectivement ce qu'on va tenter de faire. Et je ne vais pas envoyer Valois cette fois-ci en échappée, c'est pas forcément une étape pour lui. Il est déjà premier à la combativité, il reste encore des étapes un petit peu plus plates pour qu'il puisse partir potentiellement en échappée. Donc on va vraiment se concentrer sur José Herrada, avec son 73 en montagne pour cette étape reine, avec le gel de citron pour nous aider dans l'ascension finale. Début de course donc, que je vais passer très vite, hein, pour le coup, puisque je ne vais pas tenter, comme à mon habitude, de m'échapper. Alors, on regarde là le lac d'Annecy. Vas-y, Thomas.
avec la vision un petit peu plus surélevée, qui est sympathique. Hein, c'est un ajout de cette édition 2015. On voit bien le petit lac là, le lac avec la belle maison en bois, tiens ici. Les bateaux, le lac d'Annecy avec les montagnes autour. Tiens, le bateau là avec la voile rouge. Bref, trêve de tourisme, on va se retrouver pour les choses sérieuses plus loin dans l'étape. Nous voici dans le grand final à Semnoz, cette étape reine donc. Et ça a roulé très fort hein, pour arriver jusqu'à cette ascension finale. C'est vraiment dur. Hein. Je me demande au niveau champion comment ça se gère. Mais déjà, au niveau professionnel, c'est énorme. Hein. À quelle allure va le peloton, ce qui nous fait cramer notre barre bleue, même si on essaye de suivre à l'économie. Mais pour pas se faire distancer, il faut quand même taper un peu dedans. Et voilà, voilà le résultat. On est encore très loin de l'arrivée. Et Errada, qui n'a plus de coéquipier, puisque Ferreras, qui était le seul à être encore dans le peloton, s'est fait distancer. Il était en protection, et puis dès que ça a commencé à monter, il avait tellement donné pour me maintenir dans le groupe de tête, dans le peloton, qu'il a complètement cramé. Donc, il n'est plus là. Le peloton, d'ailleurs, qui ne comporte plus que 31 coureurs, pardon. L'échappée s'est fait reprendre. En tout cas, ça s'annonce très dur encore. C'était AG2R hein, qui menait la poursuite, puisqu'il y avait Geniez, malheureusement, en échappée. Et donc, résultat des courses, AG2R, ils ont tellement roulé sur le plat qu'ils n'ont plus personne là, pour épauler ces Romain Bardet qui est là. Oui, Contador, il n'est pas là surtout, c'est pas la peine de l'appeler, hein. Tel que le dit le public. Par contre, c'est quand même la Saxo qui roule. La Saxo qui roule pour qui? Pour la Kreuziger ou pas? Je ne m'en rappelle plus. Oui, je le vois là. Il est à gauche, juste à côté de nous. Gerrans qui est toujours là avec son maillot jaune. Hein, ça m'étonnerait qu'il tienne jusqu'au bout quand même. Et Errada. Ouh là là, une accélération qui fait mal. Accélération de Roland. Voilà. C'est parti. À 7 km de l'arrivée, je pense qu'on ne peut pas se permettre de la suivre, hein, cette accélération. Restons plutôt sagement dans ce groupe. Roland, c'est une autre catégorie de grimpeurs hein, comparé à Errada. Donc, on va essayer déjà de suivre cela. Ulysses, Pilac, et déjà, ça risque d'être dur. Haru. Ah, mais on se fait embarquer là. J'étais dans les rails de Sjödal. Je ne pouvais pas m'en défaire. Ouh là, ils sont partis, ça fait très mal. À la poursuite de Pierre Roland. Allez, est-ce que je pourrais avoir des roues sur lesquelles me protéger? Non, là, j'en ai plus. Là, malheureusement, c'est moi qui mène le groupe, là. Le petit groupe derrière moi. Ouais. Et là, on va être obligé de prendre le ravitaillement. Le ravitaillement qui est en train de finir de faire son travail. Koning est en perdition. Haru aussi, ça c'est plus surprenant comment il s'est géré là. Nous on est 12e pour le moment. À 4,9 km de l'arrivée. Kiserowski qui n'en peut plus non plus. Voilà, c'était peut-être pour lui. Ah ben non, c'est Kreuziger, le leader de la Saxo. Je vais peut-être ralentir un petit peu parce que on est à 4,5 km. Je vais pas arriver au bout. Hein. Là, on est 11e. 11e. Et j'ai embarqué dans ma roue. Alors ça, c'est quand même relativement désagréable. Haru, Moreno, Sepulveda. Qui étaient en perdition, donc ils devaient être en état de fringale. Et ils ont réussi à se récupérer un peu et maintenant à prendre ma roue. Alors, est-ce qu'il serait sympathique de relayer? On va voir ça. Non, ils n'ont pas l'air décidés. Ils restent dans ma roue. Et nous, on est 11e pour le moment. Donc, c'est pas vraiment la place qu'il nous faut. L'objectif pour être qualifié pour le Tour de France, même si je sais que ça risque d'être très délicat sur cette deuxième saison,
c'est d'être dans les 10 premiers de ce critérium du Dauphiné. Et j'y crois pas trop, bien évidemment, mais on fait tout quand même pour y arriver. Allez, Moreno, ça c'est mieux parce qu'il prend quand même un peu de relais. Haru est là aussi. Taramae. Allez, faut qu'on tienne. J'aimerais bien essayer d'éviter la fringale. Allez, on va remettre l'affichage pour voir où ils en sont, les autres. Roland qui va s'offrir probablement une belle victoire d'étape, à moins que Bardet, le puncher, à 11 secondes, arrive à le déboîter dans le final. Attention là, qu'est-ce qui lui arrive à Moreno? Il coince un petit peu peut-être, mais en tout cas il a bien roulé. Non, il relance, il voulait peut-être que je prenne un relais, je ne sais pas. Là, il faut que je me calme. Oui, Roland qui s'impose finalement. Allez, on va essayer de prendre la roue. Est-ce qu'ils auront assez d'énergie, eux, de leur côté, pour sprinter? Je ne sais pas. Oui, Morello a l'air de se mettre en position. Non, il ne faut pas qu'il me tasse non plus contre la barrière. Allez, j'essaye de prendre l'intérieur. Où il y a quelqu'un qui bouge là? C'est Haru. Haru qui est parti, ben ils vont tous me griller. Hein. Et en plus, j'ai plus rien, je suis en fringale. Allez, on en termine quand même du mieux qu'on peut avec Errada, qui ne fait pas le top 10, donc il doit être éjecté du classement général du top 10. On va voir ça. Belle victoire donc de Pierre Roland sur cette étape reine de Semnoz, devant Bardet et Kreuziger, hein, qui était bien amené par ses coéquipiers, on l'a vu pendant la course. Nieve qui fait 4ème, Rogers 5ème. Ok, on va descendre un petit peu. Nous, on ne doit pas être loin de Ulissi, Spilak. Ah non, on est peut-être un peu loin d'eux. Non, c'est pas eux, le groupe avec qui j'étais. Voilà, ils sont là. Et on a perdu 10 secondes d'ailleurs sur ce groupe quand ils nous ont grillé sur le final avec Haru, on l'a vu, son sprint. Sepúlveda, Moreno, Taramae, Geniez qui me prennent finalement 10-11 secondes. Bon, on fait 16e, c'est relativement honnête quand même avec Errada. On va regarder ce que ça nous donne pour clôturer cette première partie, cette vidéo de première partie du Dauphiné. On va regarder ce que ça nous donne au niveau du général avec Bardet donc qui prend la tête devant Pierre Roland. Nous, effectivement, on est sorti du top 10, on est 12e pour le moment. Ça va être dur, hein, ça va être dur effectivement vu les étapes qui restent et les écarts relativement serrés, même derrière et devant. Ouais. Le maillot à pois, c'est Geniez. Le maillot vert, c'est Cocard. On a Valois à la 8e place. Bardet, meilleur jeune. L'équipe, c'est la Saxo qui est en tête. Et la combativité, c'est bien. C'est toujours Valois qui va continuer cet objectif dans cette deuxième partie de Dauphiné que je vous propose dans une prochaine vidéo. On a réussi en tout cas l'objectif pour Errada, ça c'est bien, de finir dans les 25 premiers, ce qui lui donne un petit bonus de récup. Je vous dis à plus tard. Tapé du jour. Bonjour à tous, l'étape proposée aujourd'hui devrait nous offrir un scénario des plus classiques. Une échappée matinale qui devrait tenter par tous les moyens de résister au retour des équipes de sprinteurs. Allez, on a réussi à se positionner à l'avant, on lance tout de suite une attaque avec Kourov. Attention à ce virage qui était délicat, un autre qui l'est pas moins. Et on relance, il y a déjà presque 30 secondes, c'est pas mal. Par contre, j'ai un contre-attaquant derrière, bon, c'est normal. Hein. Deux maintenant. Mais le peloton, quand même, qui laisse partir, on dirait, on va bientôt franchir la minute d'avance, ce serait bien ça. Ce serait très bien. Et bien, je vous propose de vous retrouver plus loin dans l'étape.
Et au niveau du sprint intermédiaire, ce n'est plus avec Kourov qu'on est dans l'échappée du jour, mais plutôt avec Valois. Puisque finalement le peloton est revenu sur l'échappée de Kourov, j'ai essayé de partir ensuite avec Lango, mais ça n'a pas réussi. Et finalement c'est avec Valois que j'ai réussi à m'extirper du peloton. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Je vous parle et je ne vois pas qu'ils ont déclenché le sprint. D'un autre côté, Valois n'est pas réputé non plus pour ses capacités au sprint, hein, donc peut-être que j'aurais pas fait mieux de toute façon. Et c'est trop tard, hein, pour que je prenne la main avec Marc Sarro. Donc on va prendre le ravitaillement avec Valois. On va faire prendre le ravitaillement de fraîcheur, de fatigue à toute l'équipe. Et on va se retrouver eh bien, dans le final de cette deuxième étape du Dauphiné. À 10 km, Marc Sarro à l'avant du peloton. L'échappé qui vit ses... Donc qu'il n'y est plus d'ailleurs, qu'il n'existe plus. Que dis-je? On va demander à tout le monde de prendre son ravitaillement quand même pour qu'il n'y ait pas de décramponné à l'arrière. En particulier José Herrada, bien évidemment. J'ai demandé normalement à Marnier de venir me protéger. Et ben voilà, il est là. Parfait. Nous, on a encore un peu de ravitaillement bleu à utiliser. Donc on va être dans de bonnes dispositions. Il faut savoir que en sprinter sur ce Dauphiné, j'ai vu que les favoris étaient Bouhanni, sprinter or, Arnaud Démare, sprinter argent, Tom Boonen, sprinter bronze. Du beau monde hein, quand même, donc on est à 5 km de l'arrivée, je suis peut-être un petit peu trop devant là quand même. 5 km de l'arrivée, c'est le moment de prendre son ravitaillement de bleu, tout en étant vigilant et ne perdant pas trop de place. Aïe aïe aïe, qui c'est là de Etix qui ralentit complètement, qui coupe complètement son effort. Le ravitaillement qui fait son effet, on est un petit peu trop loin peut-être là. Allez, on essaye de venir se replacer, mais ça accélère à fond devant. Hein. Encore embêté par des Etix. Sera jugé au terme d'une ligne droite longue d'un kilomètre. Dumoulin, le maillot jaune qui est bien là, bien présent. On voit pour la FDJ. Théo Boss qui est bien là, c'est la flamme rouge. Allez, allez Marc. Oh là 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 là, j'ai bien cru qu'on allait pouvoir s'imposer, mais on prend une troisième place, il me semble. En effet, c'est bien une troisième place qu'on a pris avec Sarro, qui s'est bien rattrapé hein, quand même de sa petite désillusion au Critérium International, puisque là il finit derrière Coquard, Bouhanni, Sarro, trois Français aux trois premières places, c'est beau. Et on est devant 13 coureurs, José Herrada, pas mal positionné pour le moment, mais par contre on doit faire des efforts avec... Le grand braquet pour rester en tête et donc ça nous a quand même bien détruit la barre bleue. Voici l'avant-dernière difficulté de la journée, la côte de la Croix-Rousse. La sélection peut maintenant commencer. La côte de la Croix-Rousse. Que de souvenirs avec le Tour de France 2013. Il y en a un qui parle, j'ai l'impression sur la gauche, j'arrive pas bien à voir qui c'est. C'est Gerrans, et oui c'est Gerrans bien évidemment, profil vraiment pour lui cette arrivée. Galopin qui devrait aussi très bien figurer. Ah non, faut pas que je me fasse bloquer par Riblon là. Riblon, c'est pas son terrain de jeu ici. Attention, la descente est courte et technique. Allez, on essaye de se replacer un petit peu parce qu'il va y avoir de la descente là-haut sur laquelle on va pouvoir récupérer un petit peu. Allez, José Herrada. Récup.
récup et on prend le ravitaillement. Non, il n'a pas pris en compte. Allez, on est bien positionné là. On est pas mal, on est 8e. Ah oui, il y a des coureurs devant, j'avais pas vu. Il y a Guérin de Sébardé, oui, ils vont se disputer la victoire a priori. Hein. Ils sont très bien partis. Attention, dernière ascension. Dans très peu de temps. Dernière côte, la côte de la Duchère. Après, c'est tout en descente, jusqu'à la ligne d'arrivée. Autant dire que celui qui passe seul au sommet a toutes les chances de... Allez, on peut accélérer. Par contre, les trajectoires ne sont pas optimisées de mon côté. José Rada qui, en puncheur... De toute façon, j'ai quasiment plus de rouge. On est quatrième pour le moment. Et Alaphilippe, et oui, Alaphilippe, très bon coureur aussi, avec des bonnes notes là. Ils ont eu le temps de lui mettre les bonnes notes qu'il fallait juste après ses belles performances dans les classiques. Alors, on n'a plus grand chose, vivement la descente, parce que là, on est cuit. Allez, on est derrière Thomas Vauclair. C'est la flamme rouge. La flamme rouge, on est derrière Tom Dumoulin. On va lui passer devant. Oui, 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 oui. On fait un résultat honnête. J'aurais bien aimé être plus à l'avant encore, mais bon. Et Rada n'est pas un pur puncher non plus. La belle victoire de Romain Bardet sur cette étape de Lyon devant Guérin's et Alaphilippe, une belle troisième place aussi. Et avec Errada quand même si c'est pas un pur puncher, on a pris la dixième place, je suis content. Par contre, on a pris du temps quand même. Hein. On s'est pris 48 secondes dans la vue. Est-ce que derrière, il y a aussi eu des écarts? 48, 48, 48, on est pas mal à 48. Ouais. Il y en a qui sont à une 13, voire au-delà après. Bon, très bien. Je regarde vite fait la combativité. La combativité avec Valois, ouais. On est pas mal aussi. On va regarder au niveau du général ce que ça donne. Le classement général, donc. Guérin's devant Bardet pour le coup. Errada 10e à 55 secondes. C'est pas mal. Le maillot vert, on a Valois qui est pas mal positionné. Mais surtout, voilà, c'est ça qui m'intéressait. Valois premier de la combativité pour le moment. Parfait. Qu'est-ce qu'on a rempli comme objectif? Eh bien, Valois, finir dans... Enfin, prendre l'échappée du jour. Et avec Errada, on devait prendre l'échappée du jour. Oui, non, ça c'était définitivement, je ne voulais pas le faire. Eh bien, on va se retrouver sur l'étape de montagne, l'étape reine de ce Dauphiné, à savoir Semnoz. L'étape reine à Semnoz, étape reine donc de ce Dauphiné, avec un objectif pour José Errada, finir dans les 25 premiers. Eh bien, effectivement, c'est effectivement ce qu'on va tenter de faire. Et je ne vais pas envoyer Valois cette fois-ci en échappée, c'est pas forcément une étape pour lui. Il est déjà premier à la combativité, il reste encore des étapes un petit peu plus plates pour qu'il puisse partir potentiellement en échappée. Donc on va vraiment se concentrer sur José Errada, avec son 73 en montagne pour cette étape reine, avec le gel de citron pour nous aider dans l'ascension finale. Début de course donc, que je vais passer très vite. Hein. Pour le coup, puisque je ne vais pas tenter, comme à mon habitude, de m'échapper. Alors on regarde là le lac d'Annecy. Avec la vision un petit peu plus surélevée, qui est sympathique, hein, c'est un ajout de cette édition 2015. On voit bien le petit lac là, le petit lac, le lac avec la belle maison en bois, tiens ici. Les bateaux, le lac d'Annecy avec les montagnes autour. Tiens, le bateau là avec la voile rouge. Bref, trêve de tourisme, on va se retrouver pour les choses sérieuses plus loin dans l'étape.
Nous voici dans le grand final à Semnoz, cette étape reine donc. Et ça a roulé très fort hein, pour arriver jusqu'à cette ascension finale. C'est vraiment dur. Hein. Je me demande au niveau champion comment ça se gère, mais déjà au niveau professionnel, c'est énorme. Hein. À quelle allure va le peloton, ce qui nous fait cramer notre barre bleue, même si on essaye de suivre à l'économie, mais pour pas se faire distancer, il faut quand même taper un peu dedans, et voilà, voilà le résultat. On est encore très loin de l'arrivée, et Errada, qui n'a plus de coéquipier, puisque Ferreras, qui était le seul à être encore dans le peloton, s'est fait distancer, il était en protection, et puis dès que ça a commencé à monter, il avait tellement donné pour me maintenir dans le groupe de tête, dans le peloton, qu'il a complètement cramé, donc il est plus là. Le peloton d'ailleurs qui ne comporte plus que 31 coureurs, pardon. L'échappée s'est fait reprendre. En tout cas, ça s'annonce très dur encore. C'était AG2R1 qui menait la poursuite, puisqu'il y avait Geniez malheureusement en échappée. Et donc, résultat des courses, AG2R, ils ont tellement roulé sur le plat qu'ils n'ont plus personne là pour épauler, c'est Romain Bardet qui est là. Oui, Contador, il n'est pas là surtout, c'est pas la peine de l'appeler, hein, tel que le dit le public. Par contre, c'est quand même la Saxo qui roule. La Saxo qui roule pour qui? Pour Kreuziger ou pas? Je ne m'en rappelle plus. Oui, je le vois là, il est à gauche, juste à côté de nous. Gerrans qui est toujours là avec son maillot jaune, hein, ça m'étonnerait qu'il tienne jusqu'au bout quand même. Et Errada, oulala, une accélération qui fait mal. Accélération de Roland, voilà, c'est parti. À 7 km de l'arrivée, je pense qu'on ne peut pas se permettre de la suivre, hein, cette accélération. Restons plutôt sagement dans ce groupe. Roland, c'est une autre catégorie de grimpeurs hein, comparé à Errada, donc on va essayer déjà de suivre cela. Ulysses, Pilac, et déjà, ça risque d'être dur. Harou. Ah, mais on se fait embarquer, là, j'étais dans les rails de S-Jedal, je pouvais pas m'en défaire. Ouh, là, ils sont partis, ça fait très mal. À la poursuite de Pierre Roland. Allez, est-ce que je pourrais avoir des roues sur lesquelles me protéger? Non, là, j'en ai plus, là. Malheureusement, c'est moi qui mène le groupe, là. Le petit groupe derrière moi. Ouais. Et là, on va être obligé de prendre le ravitaillement. Le ravitaillement qui est en train de finir de faire son travail. Koning est en perdition. Harou aussi, ça c'est plus surprenant comment il s'est géré là. Nous, on est 12e pour le moment. À 4,9 km de l'arrivée. Qui s'est... Salut, c'est MegaDriver16. Nous voici pour la suite de mon tour, enfin de mon tour, de mon Pro Team avec la MegaDriver Cycling Team dans cette saison 2 où nous nous sommes qualifiés pour le Dauphiné. Grâce à la 7e place de José Errada au Critérium International sur ma vidéo précédente. Donc sur cette saison 2, on a débloqué ce Dauphiné. Un petit tour pour voir les 8 étapes. D'abord le prologue de 2 km à Nevers. Ensuite une étape de plat vers Saint-Amand-Montron. L'étape pour puncher de Lyon. Ah, je m'en rappelle bien de celle-là sur le 2013, le Tour de France 2013. L'arrivée est très sympa. Semnoz. L'étape de montagne, la grosse étape de montagne, je pense d'ailleurs qu'on ira jusque là sur cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on fera la deuxième moitié de ce Dauphiné avec l'arrivée à Gap, en Vallon. Marseille pour la 6e étape, Istres pour la 7e étape et du Vannonnet pour finir entre Montpellier et Théillé. On va tout de suite lancer donc cette première étape, le prologue de ce Dauphiné. Et je vais donc faire ce prologue avec mon leader, José Errada, qui a pour objectif de finir en dessous de 3,40. Il a 72 ans prologue. On va voir si c'est faisable. On accueille maintenant le dernier coureur au départ de ce contre-la-montre individuel. Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps. Allez, on l'encourage.
Donc un prologue très très court, hein, 2 km, on va pas le voir passer. À voir comment on gère notre effort. Allez, on lance dès le début. Attention au virage, bien évidemment. On est un petit peu en retard là sur la barre bleue, dommage. J'aurais peut-être pas dû accélérer dès le début. Là, il m'a demandé de relancer après le virage. Ouais, va falloir voir. Hein. Aïe, j'ai un petit peu raclé. Allez, on se permet donc de relancer un petit peu. Et il nous reste plus qu'un kilomètre déjà. Par contre, ça grimpe là. Ça grimpe. La barre bleue est mieux positionnée maintenant, donc on peut peut-être se permettre d'accélérer et de finir effectivement sous les 3,40, puisque je crois qu'on en finit avec 3,38. Avec une victoire de Dumoulin devant Juan Dennis et Luis Leon Sanchez. Tiens, Chavanel qui faisait partie des favoris. Il n'est même pas dans le top 10 finalement. Voilà, il est 12e. Et nous alors, Valois qui prend la 30e place à 10 secondes et Errada à 12. Le classement général, c'est bien celui-là. Et effectivement, on a terminé en dessous des 3,40, donc un petit bonus de récup pour mon leader José Errada. Mais 0€ là pour le coup. Tant pis, c'est pas grave. On va pouvoir se retrouver sur l'étape de Saint-Amand-de-Montron, étape de plaine où c'est maintenant Marc Sarraud, ma recrue cette saison de l'équipe FDJ, là, en provenance de l'équipe FDJ, qui va devoir se montrer avec peut-être Kourov aussi pour la combativité. Et donc sur cette première étape en ligne de ce Dauphiné vers Saint-Amand-de-Montron, ça m'embête un petit peu, on a encore l'objectif avec Marnier de finir dans les 25 premiers, alors que c'est bien avec ma nouvelle recrue du sprint, Marc Sarraud, que je veux faire un bon résultat dans le final. En plus, il a une flèche de forme orientée vers le haut, donc c'est du tout bon. Tiens, Errada est pas très en forme. Bon, c'est sur une étape de plaine, pas trop grave. Et on n'a pas d'autre objectif, donc je pense que c'est bien avec... avec Kourov hein, que je vais tenter. Oui, c'est avec Kourov que je vais tenter la combativité sur ce Dauphiné. Allez, on lance tout de suite. Alors, j'ai pas trop envie de me faire avoir comme la dernière fois sur la première étape du Critérium International. Donc, je vais prendre un gel citron au cas où je manque de bleu avec Sarraud dans le final. On va voir ça. On s'élance d'abord sur la ligne de départ et Kourov va essayer de prendre la bonne échantée au boss Arnaud Desmar quand même, Viviani, Bounen. Donc c'est pas une victoire, j'y ai cru pendant une fraction de seconde, mais on a bien vu qu'ils sont repassés la Coca Rebuani dans le tout dernier mètre, mais c'est quand même un très bon résultat. Donc on a dû je sais pas quoi au niveau des objectifs. Oui, j'ai pas vu combien il avait fini Marnier, mais il réussit quand même à prendre une place parmi les 25 premiers. On va pouvoir comme ça engranger un petit peu d'argent, même plutôt pas mal, hein, 39 200 pour cette deuxième place, ça c'est bien. La combativité avec Valois, on est quatrième, oui. Et donc, on va pouvoir se retrouver sur l'étape pour Puncher de Lyon. Et sur cette troisième étape du Dauphiné, on me prend pause de prendre l'échappée du jour avec José Errada, mon leader donc. Je suis un peu perplexe, hein. Je ne sais pas si je dois le faire. Prendre l'échappée avec Valois, déjà, ça je le sens mieux. Marquer au moins 19 points au classement par point avec Marc Sarraud, ça j'y crois pas trop. À part s'il partait en échappée, mais là, non, je vais plutôt privilégier Valois. Qui en plus a une flèche intéressante, ouais. Allez, Valois qui va se tenter l'échappée du jour, toujours dans l'optique de ce classement combativité.
En plus, on est pas mal placé là. Mesdames, messieurs, bonjour. C'est une étape. Eh bien, on va pouvoir commencer tout de suite. Le final n'étant pas vraiment favorable au sprinter. Ah, il m'a demandé de relayer, mais je fais même plus que relayer. D'ailleurs, que celui qui passera seul en tête. Ouh, on a du mal à s'échapper. Hein. Faut dire que. Vraiment des chances réelles de s'imposer. Il y a quand même 3,7% de côte là. Ah oui, on s'est un peu détruit là hein, sur cette attaque. À l'arrière cette fois-ci. Edmiger qui. Tente de revenir. On a trop tard sur le maillot vert. Ça serait bien de tenter une échappée pour marquer un maximum de points. Eh bien oui, c'est ce qu'on fait. Mais pas vraiment dans l'optique du maillot vert. Le peloton qui nous laisse pas vraiment partir là, Edmiger qui va me rattraper cependant l'écart avec le peloton qui revient. Il revient. Il n'a pas l'air décidé à nous laisser partir. Quoique. Ah, l'écart qui augmente. J'ai failli couper mon effort hein, au cas où. Mais l'écart qui remonte. Edmiger qui va pouvoir me rattraper. Allez, viens me relayer, ce serait sympa. Ah, il y a Boom qui se lance. Drucker aussi. Oh là là. Si c'est trop gros, ça fera une échappée trop importante. Le peloton préfère rouler pour reprendre du monde. Ne laisse surtout pas le contre revenir. Eh ben Edmiger là. Serait temps de passer un petit relais, vas-y, je t'en prie. Voilà, il est devant, il roule pas mal, mais pas assez vite à mon goût quand même. Hein. Allez, ouais, parce que le peloton il est plus qu'à 43. Est-ce qu'il va laisser partir la Boom et Drucker? Peut-être bien, l'écart qui remonte un petit peu. On va peut-être passer la minute. Je vous propose de vous retrouver plus loin. Bientôt le sprint intermédiaire avec Valois dans l'échappée qui a bien pris. On a quasiment 3 minutes d'avance même si là, ça réduit bien évidemment puisque le peloton prépare le sprint intermédiaire. Donc on est bien avec Drucker et Boom qui ont rejoint Valois et Edmiger. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Ça commence à s'agiter pour le sprint intermédiaire. Allez, essayons de prendre la roue de Boom. La roue de Boom, est-ce qu'il va craquer dans le final? Oh oui, on va pouvoir prendre cette jugée la première place de ce sprint intermédiaire. C'est toujours sympa. Ça fait un petit peu d'argent, je pense. En plus, même c'est sûr. Même si c'est pas grand-chose. Et des points. Donc, sur ce, là, je vais pas trop filmer sur les petits cols de catégorie 3. Ça va être le final qui va être très intéressant. Avec l'arrivée pour Puncher à Lyon, où je compte beaucoup sur José Herrada. On va leur faire prendre à tous le ravitaillement de fatigue et on va se retrouver plus loin. Et nous voici dans le final, les rues de Lyon. Il n'y a plus d'échappée. Un peloton de 160.